Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de la série de The Forest. Donc dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a demandé, enfin qui m'a dit qu'il y avait un bon coin de pêche juste ici. Donc, enfin il a pas dit que c'était ici, il a dit que c'était autour de cette île, mais je l'ai trouvé, c'est ici, du coup on a pied ici. Et on pouvait attraper des poissons qui passeraient par là. Donc merci à lui. Après, un deuxième commentaire a été posté comme quoi j'ai faim, ce qui est le cas, et que j'ai plus de nourriture. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi il y a plein de trucs que j'ai en moins comme la cassette et tout, c'est parce qu'en fait on est passé dans la version 0.30 qui est une lourde version de The Forest. Et du coup on n'a pas... Enfin du coup certains objets de mon inventaire ont été enlevés. En revanche tout a respawn, sauf les arbres bien sûr. Donc aujourd'hui on va faire de la chasse, de la pêche comme certains m'ont demandé, et on va un peu explorer. Donc c'est parti. Donc on laisse notre maison là où elle en était et on y va en espérant pas croiser d'indigènes et pouvoir manger, parce que moi j'ai la dalle. Donc beaucoup m'ont conseillé de chasser des lapins parce qu'avec leur peau on peut se faire une petite sacoche qui peut tenir des baies à l'intérieur comme ça de n'importe où. On peut les manger un peu comme des barres de chocolat mais naturelles. Donc j'ai pas envie de courir trop parce que si on croise des indigènes c'est un peu chiant. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais par là il y a énormément d'indigènes. Donc moi j'en profite pour prendre des sticks et tout parce que c'est exactement ce dont on a besoin. Donc on m'a dit d'aller dans la forêt et de chercher des baies et des plantes, d'explorer un peu et de sortir de chez moi. Donc ça a été dit dans plusieurs commentaires, du coup je vais pas le montrer en bas parce que faut pas en montrer trop. Donc on y va. Ils sont deux. Yes, je pourrais me faire la sacoche avec. Et d'un. Oh, j'ai une tête. Pas une tête moi, en démonage. Et deux, ils sont trop rapides. Deux, et je l'ai touché là. C'est où? Donc ici là, ah il est là, il est là. Oh, il est là. Oh mais il y en a plein ici, il faudrait mettre des pièges. Voilà. Ça je crois que c'est des champignons qu'on peut manger. Voilà. Donc ça va passer un peu ma faim. Là je crois que c'est un bon coin de pêche. Donc on va se mettre à un peu pêcher. Je crois pas qu'il y ait de poisson. Des champignons là-bas. Ah ouais, c'est des champignons. Bon, je les mange. Hein. Voilà, on a eu de la nourriture gratuite. Donc, moi, je cherche des poissons. Donc, par ici, il y en a plein trop apparemment. Je vais donc plutôt prendre... Alors là, ça coche. Elle fait comme ça. Voilà, donc là, avec ça, je vais pouvoir ramasser des baies. Ce sera utile. Non, ça je la garde là-bas. Donc là on a plus chaud, on n'a pas besoin de rentrer à la maison, on n'a pas. Faudra trop que j'installe des pièges par ici. C'est un super endroit. J'en ai déjà assez. Je suis déjà plein. Donc on va un peu explorer, chercher des plantes, chasser un peu, comme il se doit. Des arbres pour avoir des feuilles un peu. Ah là c'est un indigène, il m'a pas vu là. Il m'a vu ou pas? Je le vois pas. Il est où? Pourquoi je disais ça? Les indigènes me font flipper.
Arrête de gueuler. Putain, il appelle ses copains. Je vais mourir. Il est où? Je veux pas mourir. Oh, c'est un lapin, j'ai flippé dans le lapin, moi. Je suis pour la paix, pas la guerre des lapins. Mais je tue juste un lapin parce que j'ai la dalle. Je me mets une armure. Donc je propose qu'on s'éloigne un peu de cet indigène. En fait, ça se trouve, il nous a même pas repéré. En espérant que le bruit qu'il a fait, c'est pas un appel à ses amis. Je crois qu'on était déjà passé par là dans le dernier épisode. Faut jamais tourner le dos à un indigène, mais bon, moi je suis une tapette, donc j'ai le droit. Donc on va traverser la rivière en espérant qu'il n'y ait pas de crocodile. Ah, mais ça a changé maintenant la rivière. Avant, on y voyait partout. On avait une sorte de vision nocturne, comme dans Minecraft. Bon, comme vous voyez, la rivière, je suis pas toujours emportée vers le fond. C'est beaucoup plus pratique. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de poissons dans cette rivière. Mais je préfère traverser pour éviter l'indigène. Même si par là je sais qu'il y a des villages indigènes, ils me font moins peur que le gros là-bas qui gueulait comme un malade. Allez, ninja. Après je sais pas quoi est-ce qu'on peut faire à part la sacoche avec les peaux d'indigènes. Enfin avec les peaux de lapin, je veux dire. Des plantes, c'est utile. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Ah, encore des plantes. C'est pas les mêmes cette fois. Sauf que je crois que les bleus, elles vont avec les oranges et pas les roses. Donc que ce soit bleu et rose. Je sais plus. Vous pourrez me le dire dans les commentaires, à moins que je trouve d'ici la fin de la vidéo. Donc il y en a plein par ici, c'est super utile. La rose, lapin. C'est bien ici les clairières. Je crois que là c'est la fin de la map après par là. Je vais plutôt aller par là-bas, un peu rentrer vers la maison mais quand même pas trop. Comme ça on connaîtra à peu près où sont les villages indigènes proches de chez nous. Pour moi j'en ai pas croisé donc je suis content. Je flippe à cause des lapins qui courent. Je suis sérieux. Alors, on va retraverser, on va un peu fouiller, essayer de pêcher peut-être, faudra voir. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres champignons, je commence un peu à avoir faim. C'était là qu'ils étaient les champignons tout à l'heure. Alors on m'a aussi dit que les poissons dans la mer étaient très compliqués à attraper, donc j'affirme ça. Mais je vais quand même essayer, parce que moi je suis une tapette et j'ai pas envie de partir très loin. Là je suis juste partie parce que vous me l'avez demandé. Comme ça vous serez content. Donc moi je me rappelle que par là-bas il y avait une barque. Peut-être que dedans il y a des... truc utile. Il y avait une barque sur la rive. Donc j'espère qu'on pourra finir le jeu avec vous. N'hésitez pas à poster des commentaires comme les personnes qui en ont posté pour cette vidéo. Excusez-moi, j'ai essuyé ma souris. Voilà. Je regarde quand même s'il n'y a pas de poisson. Parce que moi j'aime bien pêcher. J'aime pas sa manière de respirer. Donc je crois qu'elle est juste là-bas. La barque. Donc j'y vais en courant. Après il y en a des qui m'ont demandé de faire de la plongée pour trouver des trucs très intéressants sous l'eau. Donc je suis d'accord avec eux qu'il y a des trucs intéressants sous l'eau. Mais dans la mer c'est un peu compliqué quand on n'a pas les accessoires qui vont avec, parce que avec les courants et tout on va facilement se faire emporter. Donc la barque, elle est juste là. Je crois que je vois la rive sur laquelle elle est.
logiquement elle est là. Sinon on sera venu pour rien. Ce serait dommage. Ouais, donc elle est pas là. Vous me connaissez. Je vais donc essayer de pêcher moi. Donc il n'y a pas trop de poissons ici. C'est dommage. C'est très dommage. Parce que là j'étais bien par-ci. Non, il n'y en a pas. J'ai toujours peur qu'un requin arrive. Donc, pour moi, on n'a toujours pas vu de requin. Donc, c'est bon pour nous, ça. J'ai pas trop envie de m'éloigner de la maison. Je propose qu'on rentre. Mais là, on va passer par en haut. Parce qu'on est déjà passé par la plage. C'est quoi ce bruit? Peut-être une vague, je sais pas. Ça doit être les vagues. Pas avoir peur, je suis une tapette, vous le savez tous. Donc je vais monter. Non, vous m'avez pas vu. Oh, le mec là il est plein de sang comme le mec qui a pris l'enfant. Si tu nous cours dessus. Non, il est parti, il va aller appeler son peuple. Je tue ton copain si tu reviens pas. Je pars. Peace and love, on se connaît pas. Voilà la disparition. Et là, il va me sauter à la gueule. On se connaît, tu comprends. Voilà, tire-toi. Putain, moi je flippe. J'ai pas envie de perdre de vie. Plus là j'ai la dalle. Ah, pourquoi il y a des indigènes dans The Forest? Ça aurait pas pu être une survie normale. En plus ils sont compliqués à battre. C'est pas comme Minecraft, tu peux les taper sans qu'ils te tapent. Je vais être comme ça pendant tout le retour. Je pense que je vais mettre un petit accéléré. Je pense qu'on va beaucoup se nourrir de tortues parce que c'est un truc sympa à voir. Regardez tout ce qui vient. Je vais surtout prendre la viande de ces tortues. Voilà. Là, il y en a masse. C'est très pratique. Voilà. Je sais pas à quoi servent leurs têtes, mais je vais les ramasser. Plus c'est glitché comment je la tiens. Donc on retraverse. Non, on m'a aussi dit que, attendez, traverser par, je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais on m'a dit que ici c'était beaucoup plus simple de traverser et moins long. Donc je vais faire confiance. Purée, mais il y a plein de poissons ici. Ils sont trop vers le milieu, ça va être compliqué de les avoir tout en ayant pied. À moins qu'il y en ait aussi vers l'endroit où on a pied. Donc on m'a dit qu'ici, là, c'était plus rapide à traverser. Donc je sais pas si c'est vrai, mais je vais traverser ici du coup. Donc, on va rapidement terminer notre torche. On va continuer ça. On va un peu boire. Et on va manger. Donc on va cuisiner un peu de lapin. Moi je dis lapin.
et de tortue. Voilà. Donc on fait notre petit repas. Après on ira chercher beaucoup de sticks pour faire ça, parce que ce sera très utile, comme ça qu'on rentrera, il y aura plein de trucs accrochés. Chut, les mouettes. Alors je sais pas s'il faudra faire des totems, mais vous pourrez me le demander. Et après là, je pense qu'on va mettre des pièges. Si vous le demandez, je le ferai dans le prochain épisode. Donc le lapin est prêt. Et voilà, ça aussi. Donc voilà, maintenant que tout est prêt et que j'ai plus faim, on va pouvoir retraverser. Je vous le dis direct, moi, je sauvegarde qu'à la fin des épisodes. Et c'est tout. Parce que si on meurt à la fin de l'épisode, ben je le laisse. Parce que moi, j'ai pas envie de refaire toute une journée. Alors que je viens d'en faire une. Donc, des sticks sans croisés d'indigènes, s'il vous plaît. Il me fallait 7 sticks, donc on va essayer de tous les avoir pour rentrer. Ce sera utile, comme ça la nuit, on va pouvoir les poser. C'est bon, j'ai les 7. Je vais essayer d'en prendre un peu plus peut-être. Voilà. J'en ai pris le maximum. Un peu de cailloux. Non, c'est bon, je suis plein. J'ai pas envie de ramener de bûches pour le moment parce que je vois pas trop à quoi elles nous serviraient. Donc, on rentre. Je crois que la personne qui a dit ça, elle a raison, parce que comme vous pouvez le voir, de ce côté, on a pied beaucoup plus rapidement que l'autre côté. Donc on finit le séchoir comme il se doit. Ce qui nous reste, on le met là et on va mettre toute notre viande ici. La viande séchée, on a les sticks ici et du coup je vais ramener un peu de bûches pour le soleil commence à se coucher. Je pense qu'on va pouvoir faire un ou deux allers-retours sans croiser d'indigène, ce serait cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'était une mouette, j'ai flippé, j'ai cru que c'était moi qui m'étais fait attaquer. C'était une flèche qu'on m'avait lancée dans le dos, un truc comme ça. Pousse-toi par là! Allez, dégage! Ah! Je vais prendre celles qui sont un peu plus éloignées. Celle-là, je vais la pousser. Allez, pousse-toi. On a eu de la chance d'avoir pied, enfin de ne pas avoir pied justement. J'ai l'impression que sous l'eau on arrive plus rapidement. Ah non, ça c'est que je suis du côté où on a pied, donc ce sera un truc à se rappeler. Que de ce côté c'est beaucoup mieux. Donc on va la poser ici, comme on fait d'habitude. Je vais aller récupérer la dernière bûche et un peu de stick. Puis on passera la nuit au campement. Donc là je suis dans la zone où on a pied et là je nage. Donc moi je déteste la nuit, je vois le soleil qui se couche et j'ai peur pour les indigènes qui vont venir. Enfin, j'ai pas peur pour eux, c'est moi qui a peur de eux. Donc je vais rapidement courir prendre les sticks que j'ai laissés là. Vite les sticks, s'il vous plaît. C'était ici je crois. Pas de stick. Où sont les sticks là? Un stick. Je veux des sticks. C'est pas ce que c'est, mais je les prends. Ah, je rush.
Stitch. Donc j'ai un bois ici, dans l'eau. Par ici. Je l'ai. Ouais, je l'ai. Donc on m'a aussi dit que la nuit, les courants étaient beaucoup plus forts. Donc il fallait faire gaffe de pas aller trop profond la nuit comme je viens de faire. Parce que là, j'arrive pas à remonter. Sauvé. Donc retour au camp, on a trois bûches, des sticks, des pierres. Et on va pouvoir build. Voilà, donc je plante. Ça c'est pas prêt. J'alimente le feu. Je vais allumer notre torche. Parfait. Je vais donc commencer à me build les trucs. Donc dans l'enfer, je viens d'apprendre que c'était bien cette fleur là qu'il fallait. D'accord, on doit les faire un par un. Je me sens à l'abri sur mon île, hein, entre nous. Ah, j'en ai plus. Donc, maintenant on va améliorer notre truc de pêche. Après, j'ai pas de bouteille pour faire des cocktails. Je vais donc commencer à faire du build. Donc comme chose utile qu'on aurait besoin sur l'île, ce serait peut-être une grande réserve de bois comme ça. On va la mettre à côté de la réserve du stick. Tourner. Comme ça. Voilà. Donc il faudra rapporter des sticks. Donc on se retrouvera dans le prochain épisode où je vais faire un radeau, ça c'est sûr. Mais après dans les commentaires vous pouvez voter pour dire si vous préférez qu'on reste installé sur cette île là, sachant que, excusez-moi, sachant que juste là il y a un village indigène et juste là il y a un village indigène. Ce qu'il faudrait faire c'est avec le radeau on part, on monte, on monte, on monte. Puis là il y a plein d'huîtres ici, il y a des bateaux partout. On peut trouver des cassettes ici. Là, il y a une combinaison de plongée. Puis, de temps en temps, par là, on peut trouver des lampes sous-marines et tout dans certains trucs. C'est super utile. Là, il y a une épave de bateau. Contre l'eau, on pourra trouver des rames et tout. Ça pourrait être utile. Et je propose plutôt qu'on s'installe ici. Donc, il y aura des poissons. Et là, on mettrait masse piège. Puis, du coup, en fait, on viendrait ici pour ramasser du bois et des trucs comme ça. Puis quand on reviendrait, les indiens se prendront tous les pièges et on pourra rentrer sur l'île sans problème. Après, il y a plein de ressources et tout par là. Et le village indien le plus proche, il se situe ici, ce qui est assez loin, je trouve. Après, il y en a un autre ici, mais c'est aussi loin. Là, il y aura un truc à faire exploser, ce sera utile, du coup. Et on pourra donc... moi, je propose d'aller là-bas. Après, dans les commentaires, vous allez dire ce que vous en pensez, mais pour le moment, on est ici. À la prochaine !